énergique, cash, spontané, hyper drôle. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? À bon cœur, à très bon cœur. Bon, alors là j'ai rendez-vous, je vais... Alors là je vais avoir une bouche énorme qui va faire comme ça. Parce qu'en fait elle va me la repigmenter, parce que j'ai des petites dépigmentations au niveau du contour ici aussi, vous voyez. Et en fait elles vont me repigmenter, donc au début ça gonfle, c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire aussi le... Comment on appelle ça? Mince, quand on recourbe les cils. Mais je garde mes cils en fait, juste... Mince, j'ai oublié le nom. Et après demain j'ai rendez-vous pour faire les sourcils. Aujourd'hui c'est les yeux, bouche. Et après je serai neuve. Alors hier j'ai pas fait de story tout simplement parce que j'ai passé ma journée à monter et descendre mon escargot, je crois. Donc j'ai pas fait de story, je vous montrerai quand ma déco elle est finie, elle est bientôt finie. Après je reçois des messages, genre ouais tu fais ta déco, on est à peine mi-novembre. Ben, l'année dernière j'ai fait à la même période et si ça me fait plaisir de le faire, en fait je vois pas où est votre problème. Voilà, je suis contente de rentrer dans ma maison, tant de vouloir juger. Donc je suis contente, ça fait deux jours, je suis très heureuse, je kiffe. Donc laissez-moi dans mon kiff, c'est trop. Bon là je suis gonflée, on dirait un poisson, je vais le faire. Mais regardez, en fait ça, vous avez vu, ça repigmente, ça retrace, ça définit la lèvre. Voilà, donc après je vais dégonfler bien sûr. Mais c'est trop bien, j'aime trop. Et là elle va me faire le big booty là, enfin la permanente des cils. Et demain les sourcils. C'est chiant d'être une fille, mon dieu. Bon, ça y est, je l'ai fait. Vous voyez, en fait, ça fait comme... Voilà, et c'était en noir. Par contre, c'est trop bizarre, parce qu'à chaque fois que je fais ça, ben, je vois flou, quoi. Putain, ma bouche, c'est énorme. À chaque fois que je fais le rehaussement de cils, genre là, je vois pas ce qu'il y a marqué sur le panneau à 20 mètres, quoi. Ma foi, je comprends pas. Et demain, cils, j'en ai bien besoin, sourcils, j'en ai bien besoin. Absolument que je vous montre ma, comment on appelle ça, mon ampoule. Regardez-moi ce que ça m'a fait. J'ai toujours mal quand je mets les chaussures. Ça fait 10 jours, plus jamais. Regardez son filtre. Oh, ça ne veut pas cicatriser, ça me fait mal. Que j'allais vous dire que ma bouche elle s'était vraiment rougifiée. Bon après ça va s'estomper. J'ai pas fait trop de story en ce moment, c'est vrai que je suis pas trop présente parce qu'on a eu plein de choses à faire. En ce moment je suis dans la déco et en même temps ben, ça prend du temps et je vais pas vous montrer tant que c'est pas fini. Et de l'autre côté ben, y a les enfants, là on était vite fait au petit goûter de la bienvenue de Loane. Voilà, enfin bref, on court un peu partout. Demain pareil, grosse journée, demain tous les docteurs, on va voir les docteurs de Mylon, comme tout le temps on fait des check-up tous les 6 mois par rapport à sa maladie. Voilà, on a rendez-vous pour notre fille à l'ostéo, enfin plein de rendez-vous. Donc c'est vrai que je fais pas trop de story, je suis désolée. Je vais essayer d'en faire plus d'ici quelques jours là, c'est un peu la course. Je vais les prendre tout le temps, donc je les prends bien 2 fois par jour. Légumis pour les ongles, cheveux et la peau. Dedans il y a de la cyanhyaluronique, de la biotine, vitamine E, vitamine C, du zinc. Et en fait ils sont fabriqués en France, ils sont trop bons. Ils ont un goût de framboise, mais ils sont sans sucre surtout. Ouais, il n'y a pas de sucre. Donc je fais cette nouvelle cure pour les cheveux. J'adore faire les cures sous forme de gummy. Donc ceux qui me suivent sur Snapchat, vous me voyez les prendre tout le temps. Je les prends tout le temps. Et je prends ceux-là l'après-midi, tout simplement de gummy par jour. Je vous les montre de plus près. Ça, vous m'avez déjà vu manger. Hein. J'ai envie d'en remanger, mais non. J'ai mangé mes deux. Ce soir, j'ai ceux-là. Et le soir, je prends ceux-là pour le sommeil. Tous les soirs, j'en prends deux. Ils sont trop bien aussi. Ils ont un goût de myrtille. Franchement, le goût, il est exceptionnel. Ils sont sans sucre. De là, vous avez de la mélatonine qui aide à dormir. Donc celui-là, c'est pour le sommeil. C'est 2, 30 à 45 minutes avant d'aller se coucher. Ils sont vegan, sans colorant artificiel, sans gluten. Et en plus de ça, les petites boîtes sont recyclables. Donc moi, je prends cela. Mais sachez que pour la saison, comme vous savez, on a changé l'heure. Tout le monde est plus ou moins fatigué avec le temps, la nouvelle heure, la changement de saison. Je vous recommande les énergies. Voilà, donc toujours pareil, hein, toujours sans sucre. Toujours 2 petits gummies à prendre par jour. Le même concept, la même marque. Regardez-moi ce packaging incroyable. Bon, celle-là, elle est ouverte, c'est celle qui est dans ma table de nuit. Là, on a mes 2 boîtes. Là, c'est le packaging. Bon, normalement, il y a celle-ci ici et celle-ci ici. Regardez comme vous recevez
D'ailleurs, c'est une super idée aussi à offrir. Voilà, faire un petit programme de en bonbons, clairement, parce que c'est clairement meilleur que des bonbons. Vous avez donc l'énergie, comme je vous montrais. Donc, celui-ci, il a un goût d'orange. Donc, moi, je n'ai pas attaqué ce programme-là. Je fais ces deux-là. Mais en tout cas, si vous avez besoin, si vous êtes un peu fatigué en ce moment, changement de saison, n'hésitez pas à vous procurer les énergies. Je vous montre un petit peu. Il existe également pour plein d'autres choses. Sachez que tout le monde peut y trouver son bonheur. Regardez-moi ça. Sommeil, beauté, énergie, stress. Vous avez immunité enfant également. Vous avez la ménopause, la digestion. Voilà. Vegan, solaire. Tout le monde peut y trouver son bonheur dans le fascicule. Ben, toutes les énergies, par exemple. Regardez. Boost immédiat, réduit la fatigue, maintien l'énergie dans la durée. Voilà. Le matin, dans la journée. Ah, je vous ai dit orange, mais non, c'est pas en pamplemousse. J'ai confondu ce dessin. Voilà. Guarana, tout est là.